Explication rapide sur les élections TPE à envoyer à tous les gens que vous connaissez qui travaillent dans une très petite entreprise. À partir du 25 novembre, on élit nos représentants dans les très petites entreprises, c'est-à-dire toutes les boîtes de moins de 11 salariés où il n'y a pas de délégué du personnel. Tous les salariés qui étaient dans une très petite entreprise en décembre 2023 sont donc électeurs et électrices. Ça représente près de 5 millions de salariés. Normalement, vous avez déjà reçu chez vous un courrier explicatif sur le déroulé de ces élections. Si vous ne l'avez pas reçu ou perdu, vous avez jusqu'à vendredi pour vous rendre sur le site du ministère du Travail pour vérifier vos informations d'électeur, comme l'adresse postale ou recevoir votre code pour pouvoir voter en ligne. Faites-le, ça prend 2 minutes. Vous tapez élection TPE sur votre moteur de recherche préféré, puis vous connectez à travers France Connect ou juste avec votre numéro de sécurité sociale pour vérifier vos infos. Ces élections sont cruciales pour la CGT, car elles déterminent notre représentativité au niveau des branches professionnelles, au niveau des prud'hommes, au national, et donc notre capacité à défendre le mieux possible les salariés. Voter CGT, c'est voter pour des élus combatifs et combatives qui défendent la retraite à 60 ans, l'augmentation des salaires et leur indexation sur l'inflation, l'égalité professionnelle et la réduction du temps de travail. Alors, on compte sur toi. À plus.